chers assistants, responsables, étudiants et dirigeants de l'Institut national de la formation paramédicale, je suis très heureux d'être ici avec vous pour participer à cette journée de célébration de la Journée mondiale de l'infection VIH. Premièrement, merci beaucoup donc, de m'avoir donné la parole, mais je pense que c'est un peu trop la spécialité si on introduit immédiatement l'infection VIH et le rein, parce qu'il fallait commencer par autre chose. Et je viendrai peut-être en troisième, quatrième position, mais ça n'empêche pas de faire une petite introduction concernant cette maladie et le rein. Donc c'est pas la peine d'avoir peur du rein et VIH, parce que le rein est un organe qui risque d'être touché par l'infection VIH, mais peut-être c'est le dernier organe, le dernier à être touché, et le diagnostic est très difficile à faire, parce qu'il faut aller vers la biopsie rénale. Alors l'infection VIH, comme vous le savez, une infection virale, elle est transmise par les voies que vous connaissez bien, et c'est une infection virale qui va déprimer l'immunité au niveau du corps, elle va cibler les CD20, les CD4, etc. Donc les chefs d'orchestre qui gèrent l'immunité sont attaqués par le virus, c'est ça le danger de l'infection. Et deuxièmement, sur le plan société, l'infection touche les jeunes. Donc le virus, déjà, il est intelligent. Il va dominer l'infection, la dépression de l'immunité en s'attaquant au chef d'orchestre. Et deuxièmement, sur le plan société, dans toutes les sociétés, le VIH est une infection qui touche beaucoup plus les jeunes. Donc la force d'une société. Et rappelez-vous bien que le premier cas qui a été publié et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1981, c'est un jeune citoyen. Un caractère un peu particulier, etc. Et qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et jusqu'à maintenant, les gens parlent de ce jeune infecté de VIH avec, associé à une maladie cancéreuse, dangereuse, c'est le Kaposi. Voilà. Alors, sur le plan rénal, qu'est-ce qu'il faut dire? L'infection VIH, on la rencontre dans le stade de l'insuffisance rénale, au début de l'insuffisance rénale, elle est débutante, modérée, sévère, etc. On rencontre l'infection VIH chez un malade hémodialysé. Donc l'hémodialysé, il a toujours un profil sérologique et parmi les profils, on doit regarder le côté VIH. Et la troisième possibilité ou le risque, c'est l'HPV chez le transplanté rénal. C'est-à-dire, est-ce qu'on transplante quelqu'un qui est infecté au VIH ou non? C'est comme l'hépatite B et l'hépatite C, est-ce qu'on les transplante ou non? Si on revient au premier aspect de la chose, donc l'infection VIH et le rein tout court, c'est une infection qui risque de passer inaperçue. Le virus a beaucoup de choses à faire ailleurs, sur le plan immunitaire, ganglion, hématome, digestif. Donc le tableau clinique, il est atypique. Vous savez bien, l'histoire du fièvre au long cours, il expliquait l'anémie, la diarrhée chronique, les manifestations cutanées, etc. Mais sur le plan rénal, la localisation, elle est insidieuse, elle est lente, et le virus va se localiser au niveau du glomérule. Donc, je n'ai pas ici le schéma. Le glomérule, vous le connaissez, c'est cette parabole, la tête du néphron, et le virus va se localiser au niveau du glomérule. Il va toucher le filtre glomérulaire, donc il va endommager les cellules. Donc, notre patient infecté au VIH, il va faire sur le plan rénal une protéinurie. Il perd des protéines. C'est pour ça qu'on dit aux étudiants, même ici, au niveau de l'institut, lorsque le rein souffre, il souffre de façon silencieuse, et la seule façon de détecter l'atteinte rénale, la meilleure façon, c'est de faire une bandelette urinaire. Le rein est un organe, je le rappelle, qui est timide, il est muet, ne parle pas, la seule façon de parler avec le rein, de l'interpeller, il faut mettre une bandelette dans les urines. Alors, si on fait une bandelette dans les urines, nous avons des protéines. Donc le rein est un organe en train de souffrir. Il souffre. On passe à la deuxième vitesse de la chose, produit des 24 heures, etc. Mais il suffit que
l'infirmière ou l'infirmier fait sa pantétulaire et interprète bien les couleurs, la protéinurie veut dire souffrance rénale. C'est tout. Et puis on passe à autre chose. Alors, est-ce que c'est le VIH qui a donné la protéinurie ou non? Ça, c'est le statut viral, le statut du patient, dans le cadre d'une enquête du fièvre au long cours, d'une manifestation maladie sidérale, etc. Parce que le sida déjà passe par une phase d'attente qui peut aller, je crois, de 3 semaines à 10 ans pour avoir les manifestations cliniques. Mais la viruline, donc elle est là, et la viruline peut-être, elle est là, mais elle n'est pas, on ne la cherche pas parce qu'on n'est pas gêné sur le plan rénal. Bien, à quoi sert donc d'étudier cette infection et le rein? Parce que si l'atteinte elle est rénale, elle va aggraver la situation sur le plan filtre glomérulaire. L'insuffisance rénale risque de s'aggraver, mais c'est un élément très secondaire dans l'évolution des os rénales, il ne gêne pas beaucoup. La deuxième situation, lorsque le patient, malheureusement, arrive à l'insuffisance chronique dite terminale, c'est-à-dire il va vers l'hémodialyse, là, des bilans qu'on va vérifier, c'est est-ce que notre malade est infecté au VIH, comme l'HCV et l'HPS, ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a un milieu dans lequel on va traiter le patient, et le risque de contamination chez le patient, interpatient, interpersonnel soignant, etc. Donc le profil, on doit le voir. Vous avez toujours VIH, HCV, hépatite B, mais ce n'est pas pour sanctionner le patient. On hémodialyse ou bien on dialyse péritonéale. Pour choisir la méthode, c'est tout, et pour connaître le profil, et puis on traite, si l'indication elle est là, si les éléments de diagnostic sont là, on va confier notre malade au spécialiste infectieux et on va le traiter malgré les os rénales. Alhamdulillah, les antiviraux existent, on peut les adapter en fonction de l'état rénal. Un IRC débutant, modéré, sévère, terminal, il a sa part dans le traitement s'adapte, il est en fonction de la dose de la créatinine. Ce n'est pas pour sanctionner les patients, mais pour voir, pour dresser un profil sérologique qui nous permet d'aller vers le traitement et la prise en charge globale. Parce qu'attention à la contamination, elle existe toujours, même au niveau de l'hémodialyse, si la personne est contaminée. Ce n'est pas pour faire de la ségrégation, mais pour connaître notre patient, le traiter avant tout et de l'intégrer dans la société, dans l'équipe de, si je peux dire, des patients qui sont hémodialysés. Le troisième volet de la question, c'est que le VIH, chez le transplanté rénal. Avant la transplantation rénale, il y a le bilan pré-greffe rénal. Dans le bilan pré-greffe rénal, il est destiné pour le donneur et le receveur. Un donneur, si on détecte une HIV qui est positif, on ne va pas le sanctionner. Il est un futur donneur du rein, mais il passe par une thérapeutique. On doit le traiter, on doit avoir un seuil de CD20, etc. Pour programmer le don d'organes. Deuxième versant de la chose, c'est le receveur. Si le receveur a un VIH positif, il programme, il envisage une transplantation rénale, c'est son droit. C'est son droit, il peut le faire, mais à condition qu'il passe par le traitement médical, et on va atténuer complètement la maladie, et on peut greffer un VIH comme hépatite D, comme hépatite C. Donc il est, on peut le transplanter. Chez nous, on n'a pas d'expérience pour le VIH et le RAF. Chez les hémodialysés, depuis 1995 que j'exerce dans ce service, on n'a pas vu de VIH positif, c'est-à-dire de battement. On a diagnostiqué deux cas qui ne sont pas de battement et qui sont transférés sur leur hôpital qui les prend en charge, Constantine et Gilles, je crois. Mais ici, à battement, on n'a pas une infection VIH chez les hémodialysés ou bien chez le transplanté rénal. Bon, ce profil sérologique, donc on doit le faire avant la transplantation pour prendre des mesures, parce qu'on va déprimer l'immunité de notre patient chez le receveur. C'est pour ça, il faut qu'on surveille le statut viral. Même s'il est négatif au début, au cours du traitement, l'immunodépression risque de dévoiler l'infection qui est latente. C'est pour ça, c'est le suivi. Donc ce n'est pas toujours pour cibler, chercher le CDA, mais justement pour faire le dépistage et prendre des mesures nécessaires pour protéger le patient vis-à-vis d'un rejet de son rein ou bien de contaminer son entourage. Nous avons toujours le même principe comme les autres, VIH, attention à les contagieuses, prendre des précautions, prévention primaire, prévention secondaire et peut-être prévention même tertiaire pour
Mais dans tous les cas, on ne va pas sanctionner ces patients, on les traite, on les soigne, ils ont le droit. Dans toutes les thérapeutiques, il s'agit donc du rein, l'insuffisance rénale avant, au stade terminal et terminal de la greffe, donc on peut prendre en charge ces patients sans problème. Ce n'est pas un frein pour transplanter, ce n'est pas une contre-indication pour transplantation, non, pas du tout. C'est un profil qu'on doit dresser bien, on va traiter et une fois nous avons l'autorisation, en collaboration avec les infectiologues, on peut entamer toutes les thérapeutiques sont possibles avec le VIH, avec l'infection au VIH, surtout avec le traitement qui est disponible et qui est donné donc, à tous les niveaux. Donc voici donc mon intervention sur le plan VIH et RA. Je crois qu'il y a l'hyperspécialité parce que c'est l'anapathe. Je vous rappelle, le virus touche le glomérule, le filtre glomérulaire, il touche la podocyte, il va étrangler le glomérule. Le glomérule, c'est le tamis qui va filtrer les urines. Et vous avez la protéinurie, voilà. Et la biopsie rénale va montrer des images particulières justement pour ça. Et le diagnostic, il est le même diagnostic comme chez le confrère infectieux, pédiatre, etc. Et je vous remercie.